Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale où je vais pas faire juste des news en vrac sur les transferts ou sur le football, je vais en faire sur un thème en particulier. Aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça, coule le club ces derniers temps. Il faut bien entendu rappeler que Ernesto Valverde est beaucoup critiqué ces derniers temps, surtout par rapport aux mauvais résultats de son équipe, le FC Barcelone. Il est vraiment sur la sellette et très menacé d'être remplacé. Et donc, dans cette vidéo, on va voir les raisons de ce possible licenciement et pourquoi est-ce que c'est sa faute si le Barça coule. Le premier point qu'on peut aborder pour expliquer ça, c'est qu'ils ne laissent pas assez leur chance aux jeunes, comme par exemple aux jeunes pépites, comme par exemple Ansu Fati ou Carles Pérez, qu'ils laissent plutôt sur le banc et qui n'essayent pas d'exploiter. Ces joueurs-là ont vraiment l'avenir du FC Barcelone, ils ont un vrai potentiel, puis malgré tout, Valverde préfère essayer de faire jouer Griezmann, avoir un poste où il n'est pas, et Dembélé, alors qu'il aurait bien meilleur temps de mettre Ansu Fati ou Carles Pérez par exemple. Justement, pour le deuxième point dans lequel on peut dire que Valverde est un problème, c'est qu'il ne gère pas bien les cadres de l'équipe, comme par exemple Rakitic, Umtiti, Suarez ou même encore Sergio Busquets. Alors que ce sont des très bons joueurs qui mériteraient amplement des titulaires dans les grands matchs de Ligue des Champions, on peut compter par exemple Rakitic et Umtiti qui eux sont systématiquement mis sur le banc pour aucune raison. Lui aimerait en plus se séparer de Luis Suarez qui est vraiment un très bon joueur pour mettre à la place Antoine Griezmann. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Luis Suarez, on le voit dans ses statistiques, il est très très bon, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Un troisième point négatif, c'est que ça se voit dans son style de jeu, dans la composition, dans sa tactique, c'est qu'il attend vraiment que Messi porte le Barça, alors que Messi doit pas être tout seul. Tout le monde dans les réseaux sociaux, on voit, le Barça sans Messi, c'est un chat, et le Barça avec Messi, c'est un lion, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est faux. Le Barça sans Messi peut très bien être plus fort, c'est juste que Valverde donne beaucoup trop d'importance à Messi, le met trop au cœur du jeu. Ok, c'est leur meilleur joueur, mais il attend vraiment trop que Messi porte le Barça à lui tout seul, alors que c'est toute une équipe qui doit gagner et pas seulement Messi. Et enfin, le quatrième point, c'est que Valverde, il instaure un style de jeu qui n'est vraiment pas en accord avec la philosophie du Barça. Il a un jeu un peu trop, on critique souvent son jeu un peu trop, où le Barça, ils prennent pas vraiment les espaces comme ils le faisaient avant. C'est plus vraiment du football comme le Barça a l'habitude de le faire. C'est un jeu qui peut-être même est trop anglais parfois. Quand on voit par exemple la zone de jeu du Barça comme contre, le Slavia Prague ou contre Levante, ça se voit, ils prennent vraiment pas les côtés, ils essayent vraiment de tout jouer par le centre, justement tout jouer par Messi ou De Jong, Arthur, et puis ça, c'est vraiment pas comme ça que le Barça il marche. Le Barça, c'est des joueurs qui doivent être les latéraux, qui doivent participer, les ailiers et tout, c'est ça qui est le plus important. Et les gars au milieu de terrain, c'est juste pour essayer de faire changer le jeu d'un côté à l'autre, c'est pas pour essayer de passer entre les lignes en dribblant au milieu. Et donc ce style de jeu là, il est vraiment pas en accord avec le Barça et sa philosophie. Mais malgré les points négatifs et les critiques qui vont face à Valverde, on peut relever des points positifs à le fait que ce soit Valverde l'entraîneur du Barça et à sa tactique. Ces points positifs sont presque même en opposition avec les points négatifs qu'on lui trouve, comme par exemple le fait que Messi, il est au centre du Barça, il est là pour porter le Barça. Oui, il faut pas faire dans l'excessivité, mais il est là et donc ça lui met une place beaucoup plus importante qui lui permet de beaucoup mieux s'exprimer. On l'a vu dans des matchs où il était totalement fou, il a fait des matchs super parce que c'était lui le centre sur quoi le Barça se repose et ça lui laisse beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire des trucs incroyables, pouvoir être au centre du jeu du Barça. En deuxième, on peut également revenir par rapport au cadre qu'il essaye un peu de pousser de côté pour mettre des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais justement, est-ce que ce serait pas une meilleure chose parce qu'il laisse le passé? Le passé, c'est pas le présent. Il faut jouer avec le football du présent. Le jeu du Barça, tout le monde le connaît. Les cadres, tout le monde les connaît. Alors que voilà, s'il essaye de mettre par exemple Arthur Meliot, De Jong, Clément Lenglet, des joueurs comme ça à la place de Rakitic ou Umtiti, c'est qu'il laisse le passé et qu'il essaye de donner vraiment de nouvelles choses au Barça. Et maintenant, on peut également parler des jeunes, car je disais en début de vidéo, Ansu Fati, Carles Pérez, il ne laisse pas assez jouer. Mais peut-être justement, il n'essaie pas de retrouver directement des grosses pépites. Il fait confiance à l'effectif qu'il a maintenant, et la confiance d'un entraîneur pour son effectif, c'est hyper important.
Et justement, Ansu Fati et Carles Perez, bah, il les intègre au groupe. Il les fait jouer petit à petit, il les fait de plus en plus jouer. Il va pas les mettre. Il va pas essayer de trouver, par exemple, avec Ansu Fati, le nouveau Messi, ou va le faire jouer direct titulaire tous les matchs. C'est ça qui s'est passé avec des joueurs comme Boyan ou Odegaard. Bon, maintenant, Odegaard, il devient un peu fort, mais ils ont tout de suite été trop comparés à Messi. Ils les ont tout de suite trop fait jouer, trop mis sous pression. Et puis, bah voilà, ça a perdu le talent. Et donc, comment ils gèrent cet effectif-là, bah, c'est très bien. Tous ces arguments, ils montrent que Ernesto Valverde, il apporte du mauvais, mais surtout du bon FC Barcelone, et que c'est un bon entraîneur pour le Barça. Le vrai problème du Barça, c'est la direction qui achète des joueurs qui sont forts en Europe dans leur club, et qui, quand ils viennent au Barça, bah, ils n'ont pas les capacités ni physiques ni mentales. Pour jouer au Barça, il faut recruter des joueurs qui savent jouer au jeu du Barça, et pas des joueurs qui sont juste forts, pas juste des joueurs en forme du moment pour avoir les meilleurs joueurs du monde dans le club. Non, il faut des joueurs qui soient forts au Barça. Même s'ils sont nuls dans les autres clubs, s'ils sont forts au Barça, il faut les recruter. La méthode de recrutement et de gestion des recrues comme l'ont été Coutinho, Dembélé ou Griezmann, ça montre vraiment la faiblesse de la direction du Barça. Cette direction qui ne s'appuie plus sur des joueurs issus du centre de formation, qui sont nés en voulant jouer au Barça, qui ont appris à jouer au foot dans le style du Barça. Ces joueurs qui, même s'ils ne valent pas un Coutinho à Liverpool, ou je sais pas moi, Ronaldo à la Juventus, ils sont bien meilleurs que Griezmann au Barça parce qu'ils ont le talent et le style de jeu du Barça. Ils valent bien mieux que Coutinho, Dembélé ou Griezmann au Barça, et c'est eux qu'il faut faire jouer. La direction ne fait plus confiance aux joueurs de la Masia, de l'école de Barcelone. Et c'est pour ça que le Barça traverse une période à vide ces derniers mois, et non pas à cause d'Ernesto Valverde. Et juste par rapport aux rumeurs comme quoi Valverde pourrait être viré, il faut arrêter de virer à chaque fois les entraîneurs quand une équipe perd 5 matchs de suite. C'est bon, c'est normal. Le football a subi de grands changements ces dernières années, avec la VAR, avec les transferts qui deviennent hyper chers. Et c'est vraiment normal qu'il y ait des équipes, surtout le Barça, qui est quand même une équipe qui a un style de jeu qui date vraiment d'il y a longtemps, un vieux style de jeu. Et bah, c'est normal que des équipes comme ça aient besoin d'un temps d'adaptation et traversent des périodes de transition un peu à vide. Et donc, il ne faut pas virer les entraîneurs à cause de ça. Le meilleur exemple, c'est Leonardo Jardim. Vous vous souvenez, non, à Monaco, il a été viré parce que son équipe, donc l'AS Monaco, l'année dernière, était relégable en novembre. Il est revenu, là, juste après Thierry Henry. Puis maintenant, là, Monaco, bon, voilà, la fin de la saison a été un peu compliquée, mais il a réussi à les faire revenir et à pas les faire descendre en Ligue 2. Et là, ce début de saison, Monaco a commencé mal, mais ils ont eu un temps d'adaptation et maintenant ils ont monté, ils sont 11e, c'est l'une des meilleures équipes sur les dernières journées. Tout ça grâce à un recrutement intelligent et une bonne gestion de l'effectif par la direction et par Leonardo Jardim. En conclusion, pour retrouver sa superbe et son beau niveau de jeu, le Barça, ils doivent penser à long terme, ils doivent remettre la Masia au cœur de leur football, ils doivent recruter des joueurs qui savent jouer le jeu du Barça comme ils l'ont fait avec De Jong cet été, avec Arthur et avec Neymar avant eux. Mais surtout, essayer d'évoluer, de changer des choses et de vraiment s'adapter au nouveau club et de pas de tout changer. D'essayer de jouer leur style de jeu comme ils le font, mais également de s'adapter, de faire les deux en même temps. C'est exactement ce que propose Valverde. Il faut également relancer la machine de la Masia qui avait offert de très bons joueurs, on s'en souvient, pour les années 2010. C'est à cette Masia que le Barça doit toutes ses victoires. Ils avaient produit des joueurs comme Iniesta, Xavi, Puyol, Messi et même Ernesto Valverde avant eux. Cet Ernesto Valverde critiqué en ce moment et qui pourtant aura mieux compris le jeu du Barça que tous les autres. Voilà, la vidéo est désormais terminée. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait comprendre des choses, apprendre des choses. Et bah voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir déjà de la faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, cette situation de Valverde au Barça. Si vous avez des idées de vidéos là comme ça sur des thèmes très particuliers, vous avez qu'à me les dire dans les commentaires. J'accepte toutes les idées. En attendant, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.